Coucou tout le monde. Eh oui, la petite question. Allez, on y va. J'espère que tout va bien pour vous. Allez. On tourne, on tourne. Bon, il n'y a plus beaucoup de questions. Donc, si vous voulez en rajouter, allez-y, hein. Il y en a même qui se... Il y a même des questions qui sont collées. Voilà, j'ai défait parce que sinon, on ne va pas avoir le choix. Allez, allez, allez. Hop, et une question. Là, voilà. Alors, si tu ne devais garder qu'un seul jeu, lequel garderais-tu? A. Ah, difficile. J'aurais du mal qu'à garder qu'un seul jeu parce que je pense que je voudrais quand même garder un oracle et un tarot, un Lenormand. Alors, à aujourd'hui, je veux dire, si je vais garder qu'un seul jeu, bon, il est évident que comme j'ai créé des jeux, et puis là, je suis en train d'en faire un autre pour moi, je pense que je conserverai mon jeu également parce que. Voilà, c'est moi qui l'ai. Mon oracle, je crois que l'oracle, ça, je conserverai mon oracle. Et après, je pense que je conserverai aussi un tarot. Alors, à l'heure actuelle, j'hésiterai peut-être entre deux. Bon, bah, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bah, il y a celui-là, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai une bonne connexion. Sinon, comme autre tarot. J'en ai d'autres, c'est vrai que c'est difficile. Hein. J'ai. Attendez, j'en ai un peu partout. J'ai l'introspection de Jérôme Marchetti, celui-là, l'introspective, que j'aime bien aussi. Il y en a quand même pas mal, je pense que ça serait difficile. Allez, pour simplifier les choses, on va dire peut-être que. Ah, aujourd'hui, je garderai peut-être celui-là, voilà, le Dark Mansion, plus mon oracle personnel. Et puis, on va dire un Lenormand, on va dire un de chaque. Allez, on va dire un oracle, un tarot et un petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, il y en a beaucoup que j'aime bien. C'est difficile. C'est vraiment très difficile, si vous me dites, parce que. En fin de compte, les petits Lenormand, je les aime tous. Le Mystery Secret, je l'aime beaucoup parce que j'aime ces grandes cartes et je trouve que j'aime beaucoup ces images. Enfin, je vous ai déjà parlé parce que c'est vrai que c'est vraiment un tarot que j'aime bien, un oracle que j'aime bien. Ce Lenormand, je trouve, j'adore les oiseaux qui sont des colibris, c'est des oiseaux que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un oracle que j'aime bien. Mais ce petit Lenormand, c'est vrai que si on veut faire un grand tableau, pas facile. Mais j'aime beaucoup ces cartes. J'aime beaucoup le petit Lenormand de Célia. Et en plus, il est très pratique parce qu'il est petit. Donc, c'est facile de faire un petit Lenormand avec celui-là parce que vraiment, les cartes. Alors, c'est des petits dessins. Moi, j'appelle ça des petits dessins un peu naïfs. C'est pas vraiment naïf, mais voilà. Mais bon, j'aime bien je l'aime bien parce qu'il est simple. Voilà, il part directement. Les cartes sont petites. On peut faire un grand tableau sans problème. Hein, bon, il n'y a pas de souci. On a tout de suite la place. Bon, celui-là que tout le monde connaît, hein, parce que les cartes de Tiro Marchetti, moi, enfin, comme vous me connaissez, j'aime beaucoup ces jeux. Celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Alors, c'est vrai que c'est pas qu'un Lenormand, c'est un oracle de. Parce qu'il y a les 36 premières cartes, c'est les cartes du Lenormand. Bon, après, celui-ci, c'est vrai que je vais vous dire qu'en grand tableau, ou même en 9 cartes, il n'est pas toujours facile parce que si vous remarquez bien, toutes les images ont ce fond un peu bleu-violet que j'aime beaucoup. Je vous montre quand même le dos. Alors c'est vrai que ce jeu, je l'aime beaucoup.
Mais c'est vrai qu'en grand tableau, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce qu'elles se ressemblent toutes. Alors, c'est vrai que à force de travailler avec, on connaît les imageries, donc on va repérer la carte qu'on cherche. Mais il n'est pas tout de suite évident. L'Under Zero Oasis, j'adore aussi. J'aime bien ces images, mais ce n'est pas celui-là que je prendrai. Donc voilà, on va aller en éliminant. Celui-ci, ben, c'est le Médial Normand. Mais vu qu'il est en noir et blanc, j'avais fait une review là-dessus. Déjà, si vous voulez le voir, vous allez rechercher dans mes reviews. Comme il est en noir et blanc, je ne sais pas ce que je prendrai. Je crois que. Oh, pardon, excusez-moi. Décidément. Je crois que si j'avais à choisir, j'hésiterais un peu entre ces trois-là, en fin de compte. Au niveau du Petit Le Normand. Celui de Célia, le Mystery Secret ou le Gilded. Voilà, ça dépendra du jour, en fin de compte, je devrais faire mon choix. Je crois que voilà, ça sera entre ces trois-là. Ça sera un de ces trois-là. Donc, ça sera. À l'heure actuelle, ça sera celui-ci, au niveau du tarot. Je pense. Au niveau de l'oracle, ben, je pense que je prendrai le mien. Je n'ai pas encore fini, mais ça ne devrait pas tarder, j'espère. Et puis, au niveau du Petit Le Normand, ben, ça sera un de ces trois-là. Puisque c'est quand même. Bon, peut-être. Celui-là, j'aime beaucoup les imageries aussi. Hein. Et Célia, j'aime bien parce que par sa taille. Et celui-là, j'aime bien par son imagerie. Donc, ça sera difficile. Je pense que ça sera difficile. Ça sera fait dans l'urgence, je pense. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à la question. C'était la question de. Ah, j'ai pas marqué le nom. Moi aussi, des fois, j'oublie de marquer le nom qui me pose la question. Bon, j'espère avoir bien répondu à la question. Et puis, je vous dis bye bye, à bientôt.